Moi, je m'appelle Laura Petron, je suis comédienne, réalisatrice, productrice et organisatrice aussi du stage de Bruxelles Ciné Studio. Moi, l'inverse, enfin, je suis tout comme elle, acteur, producteur et réalisateur, et j'organise aussi des stages, et je m'appelle Guillaume Kerbuche. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes de stages, il y a des stages d'une semaine avec des réalisateurs donc belges et aussi parfois français. Et il y a aussi d'autres stages qui sont généralement le week-end, donc ça c'est 2 jours de stage, avec des directeurs de casting belges et parisiens. Parisiens aussi. Voilà. Et plein de réalisateurs, on a déjà eu 3/4 du cinéma belge en fait. Hein. On a déjà eu Guillaume Senez, Philippe Balleux, Delphine Noëls, Vania Le Turc, Vanada Alcantara, Savina Delicourt, Laurent Michelli, Rémi Allier. En fait, c'est parti de la Belge Collection qu'on a mis l'année passée au Brief. Ça, c'est un autre projet qu'on a créé il y a aussi deux, trois ans. C'est un projet de 4 courts-métrages qui s'appelle donc la Belge Collection, qui est fait pour mettre les comédiens en avant, les jeunes comédiens en avant. Je suis Arthur Le Couturier. Je suis réalisateur d'un film qui a été sélectionné au BSFF, qui est en compétition. Et à cette occasion, on m'a proposé d'animer un stage de jeu face caméra. Pour moi, c'était l'occasion de rejouer avec d'autres comédiens une scène de mon film. Qu'on a pris une scène de mon film et j'ai pu la confronter à tous ces jeunes comédiens qui m'ont donné des trucs super, super variés en fait. C'est vraiment l'occasion de voir ton film, de voir tes scènes, de voir ce que tu as écrit sous un autre angle. C'est super enrichissant. Ouais, alors le but de l'atelier, c'est de rendre autonomes les comédiens. C'est de leur donner des clés pour qu'ils puissent toujours offrir une performance authentique. Het gaat over een man Rudy die een foto van zichzelf nodig heeft voor een online dating site en daarbij bij zijn buurman te raden gaat, die dat een grote fotograaf is geweest, maar een beetje uitgebluste fotograaf. En samen gaan ze op pad en beleven ze een avontuur. Je moet denken zoals uw kijker. Hè? Wat wil die, denk jij? Een date? Ja, een date met wie? Met een man? Met u. Rudy, je moet jezelf verkopen. Je moet jezelf in de markt zetten. Eigenlijk een product. Als jij niet in jezelf gelooft, wie dan wel? En de eerste vraag die jij moet stellen, Rudy, is... Wie is Rudy? Oké. Rudy beschrijft zich ook zelf in de film. Die zegt dan, ik ben Rudy, ik ben een man van 45 jaar. Eigenlijk is hem ook eenzaam. Hij zegt ook dat hem... goed lachs is. Hij heeft wel hier en daar ook wat rimpeltjes. Ook rimpels. soms is hem depressief van aard. Dat is zo de samenvatting. En eigenlijk is hem heel erg op zoek naar gezien te worden of zo. Ja. En dat zoekt hij dan in online daten. Tout à fait, tout à fait. On avait convenu que je la couperais pas pendant le film, parce que je coupe souvent les gens.